Madame Fiat et Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Président. Juste pour revenir sur deux, trois points. Alors, effectivement, après une première injection, on n'est pas autant protégé qu'au bout de deux. Je trouve ça ici qu'on nous explique et qu'on nous fasse la leçon, mais qu'hier, on nous ait appris qu'avec deux injections, quand on sait qu'on peut être encore porteur, qu'on peut avoir le virus, on nous explique qu'on pourra enlever le masque. Des fois, il faut être quand même... Non, mais faites la leçon aussi à M. Castex, je crois qu'il n'a pas tout compris non plus. Donc, il faut savoir faire les choses. M. Blanchet, ce que vous dites n'a plus sens, comme le faisait remarquer M. Coquerel. À partir de demain, M. Castex nous l'a dit hier, on ne sera plus qu'à contact avec le pass sanitaire, avec deux injections. Donc, on ne va plus remplir les cahiers. Oui, mais alors... Non, mais... On trouve ça aussi choquant, mais je pense qu'il va falloir expliquer vraiment à Monsieur le Premier ministre le virus et les vaccins. Donc, pour tout ça, il y a vraiment une difficulté. Et pour revenir à l'amendement précédent, moi, je veux bien que vous preniez tout par décret, mais je vous rappelle que pour prendre des décrets, il faut quand même que les chocs anaphylactiques soient notés dans la loi. Merci. Alors, avant de donner la parole à M.